Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous présenter la dernière conférence du cycle de conférences sur le verre organisée par la Société des Amis du Musée national de céramique de Sèvres. Et ce soir, Jean-Luc Olivier, le conservateur en chef du département du verre du Musée des arts décoratifs de Paris, va nous faire découvrir les créations extraordinaires d'Henri Cros. Donc, je donne les paroles à Jean-Luc. Bien, merci beaucoup Moon, merci beaucoup Cécile de m'avoir invité à participer à cette série de conférences sur le verre. Nous avons décidé de parler d'une personne et d'un grand artiste qui n'est pas que verrier, mais qui a joué un rôle fondamental dans le développement de l'histoire de la verrerie moderne. Il s'agit d'Henri Cros. Alors, la première diapositive vous montre un de ses rares autoportraits. Et une de ses rares peintures à l'huile qu'il réalise en 1889, alors qu'il a une cinquantaine d'années, on peut dire dans la sérénité de sa maturité, on le voit assez sûr de lui, et cette rare peinture à l'huile est rentrée dans les collections nationales grâce au don d'amis proches de la famille Cros en 2014 lors de la succession d'un des derniers représentants de la famille Cros, François Cros, le petit-fils de Charles Cros. Donc cette image me permet, en dehors de vous donner une image de son visage, de mentionner tout de suite qu'il a une double formation de peintre et de sculpteur, même si sa carrière va se développer dans le domaine de la sculpture. De la sculpture, on peut dire traditionnelle pour le 19e siècle, et d'une partie très spécifique de la sculpture du 19e siècle, qui est la sculpture polychrome. Et c'est à ce domaine que je vais me consacrer aujourd'hui. Alors, deux autres portraits, les deux seules photos connues plus tard, en 1892 et 1903, d'Henri Cros, où l'on voit un visage peut-être un peu plus inquiet et anxieux. Effectivement, on sait par des témoignages anciens, dont celui des frères Goncourt, que Henri Cros avait un regard un peu illuminé et qui est une personnalité pouvant apparaître un peu étrange à certains moments. On sait qu'il a eu des périodes de dépression, entre autres après la Commune. On ne sait pas trop dans la suite de sa vie. Donc, il est né à Narbonne, c'est important parce que c'est un Méditerranéen, en 1840, et il est mort à Sèvres en 1907. C'est également très important parce qu'il va passer la dernière décennie, les 15 dernières années de sa vie, à Sèvres et en lien direct avec la manufacture de Sèvres. Il est donc sculpteur, céroplaste, c'est-à-dire sculpteur en cire, céramiste dans le sens où il réalise des esquisses et des sculptures en terre cuite polychromé avec des engobes, mais ce n'est pas un céramiste réalisant des œuvres à proprement céramiques, et verrier parce qu'il va être à l'origine d'un nouveau domaine en réalité de la verrerie d'art, et en quelque sorte être le premier sculpteur qui va véritablement s'intéresser au matériau vert comme un matériau possible pour des réalisations sculpturales. Si c'est tout à fait traditionnel dans la céramique depuis l'Antiquité de mettre en relation sculpture et céramique, c'est en revanche beaucoup plus rare, à l'exception de quelques sculptures miniatures, de pouvoir parler de sculpture en verre et de rencontrer des personnalités de sculpteurs qui se sont vraiment intéressés au verre. Il est le premier et il va ouvrir toute une nouvelle voie de l'art verrier moderne. Alors, pour situer un tout petit peu, mais je ne vais pas me lancer dans une longue biographie, il est le frère du poète Charles Cros. Alors, Charles Cros est important pour Henri Cros dans le cadre de ce milieu littéraire et artistique auquel ils participent tous deux dans les années 1860, 70, 80. Charles meurt en 1888. Henri Cros quittera Paris pour s'installer à Sèvres en 1891, donc c'est un peu un changement de vie dans cette époque. Mais disons que beaucoup d'amitiés littéraires, intellectuelles d'Henri Cros sont liées à des liens avec Charles Cros, entre autres, par exemple, Édouard Manet, qui sera témoin des mariages à la fois de Charles Cros et d'Henri Cros. Et dont la maîtresse Nina de Villars est le modèle de la femme aux éventails
de Manet. Donc, pour vous situer déjà, Étonné Salon tenait un salon artistique et littéraire auquel participaient les frères Cross, c'est ainsi que les Goncourt, entre autres, les ont appelés. Le troisième frère, c'est un médecin, Antoine Cross, mais qui dessine aussi, qui écrit également, mais disons qu'il, lui, favorise un lien dans un monde plus politico-mondain parisien, et entre autres pour trouver des mécènes pour son frère. Je ne citerai qu'un seul cas, le ministre, l'homme politique égyptien Nubar Pacha, qui s'est avéré être un des premiers mécènes privés des recherches techniques d'Henri Cross avant même que l'État le soutienne. Alors, j'aurais pu rajouter également que Henri Cross est un dessinateur compulsif. Nous faisons face à un énorme corpus de dessins qui vont des dessins aboutis, des esquisses pour des œuvres, à des notations sur des carnets. Et là, je vous montre en guise d'hommage à Madame Chantal Kiner qui nous a donné ce dessin il y a quelques années, qui a réalisé, qui fait partie de la poignée de marchands qui s'intéressent aujourd'hui à l'œuvre d'Henri Cross, qui a réalisé une exposition en 2017. Et la seule, en dehors... Si Henri Cross apparaît dans de très nombreux articles, dans de très nombreux catalogues d'expositions, dans de très, très nombreux livres, que ce soit sur la verrerie ou sur la sculpture, aucun ouvrage monographique ne lui est dédié, sauf le catalogue publié par Madame Kiner en 2017. Et j'ai choisi ce dessin qu'elle nous a donné en 2020, juste pour situer aussi le grand intérêt pour les cultures antiques d'Henri Cross. Et vous voyez sur ce feuillet où on voit à la fois un buste de jeune femme, des transcriptions, évidemment, d'alphabet grec, mais également d'alphabet cunéiforme, de hiéroglyphes, d'alphabet sanskrit. Son frère Charles Cross avait étudié le sanskrit, et hébreu, même si vous voyez les lettres hébreux et hébraïques à l'envers, puisqu'il s'agit en fait d'un feuillet qui a été plié en quatre. Donc ça, c'est une image juste... pour rappeler l'énorme corpus de dessins existants qui va de la notation comme ça d'esquisses de premier jet, de notes techniques, de projets plus aboutis pour des sculptures auxquelles nous nous trouverons confrontés lors de l'étude de l'œuvre d'Henri Cross. Mais je vais rentrer là directement dans le sujet de ces sculptures. En fait, je disais en trois parties, donc les cires modelées polychromes qu'il réalise à peu près de 1869 à 1882, qui ne sont pas des moulages peints, qui ne sont pas des cires peintes uniquement en surface, mais qui sont des modelages réalisés à partir de pains de cire de différentes couleurs. Donc, c'est véritablement comme un modelage en terre, comme un modelage en cire monochrome, sauf que lui va préparer auparavant des cires de couleur et ainsi entrer, je dirais, dans la matière même de la sculpture, la couleur de ces sculptures. Alors, je vous montre, je vais aller assez vite sur les cires, parce que je ne pouvais pas faire l'impasse absolument, parce que je pense que c'est trop important dans le développement de sa carrière, mais je vais aller assez rapidement. Ici, le prix du Tournois, conservé au musée d'Orsay, qui est d'assez grand format, hein, quand même, 67 cm pour les figures. Donc, c'est beaucoup plus grand que la tradition des portraits Renaissance ou XVIIIe siècle en cire polychrome. Ce ne sont pas des miniatures en cire. Il aborde ici avec le prix du Tournois un thème évoquant la première Renaissance française et peut-être plus dramatique qu'il ne paraît à première vue, puisque le prix du Tournois, on peut se demander s'il s'agit... uniquement de l'épée que tient la jeune femme ou même de la jeune femme elle-même dont le chevalier, s'il gagne, devrait gagner le cœur. Mais l'important par rapport à cette sculpture, c'est qu'il s'agit du premier achat de l'État à Henri Cross d'une œuvre très originale pour l'époque. Hein. Il n'y a pas d'équivalent, ni dans les thèmes iconographiques, enfin, il y a très peu d'équivalent, à la fois dans la maîtrise technique de cette sculpture en cire polychrome
et dans les thèmes développés par Henri Cros. Alors, celle-ci est donc connue depuis 1873, hein, entrée dans les collections publiques et maintenant au musée d'Orsay. Beaucoup d'autres qu'on voit apparaître au sein des salons de la Société des artistes français, du Salon des indépendants, de différents salons auxquels participe Cros durant sa vie, beaucoup ont disparu, mais je vais vous en montrer deux qui sont réapparus récemment. Ici, alors, un grand format qui fait plus d'un mètre dix de haut, représentant toujours, évoquant cette première Renaissance française, de femmes dans un univers champêtre, forestier, de fleurs diverses et variées. Les détails que je vous montre, vous voyez sur la coiffe d'un des détails, il va incruster des petits cabochons de verre de couleur, des dorures. Donc, c'est un travail à la fois de miniaturisme, bien qu'on soit dans un bas-relief d'une certaine importance. Il va traiter tous les détails des bijoux, des coiffes, dans une perfection de détails, surtout pour les premiers plans. Mais en revanche, il va garder une liberté de touche, une liberté de coloris, une liberté de traitement dans les arrière-plans. Donc, ce n'est pas un miniaturiste qui traite toute son œuvre avec une égale notion de perfection de réalisation. Il y a comme des espèces de flou d'arrière-plan, de subtilité entre les détails extrêmement précis et une touche générale des fonds qui sont beaucoup plus libres et qui ne relèvent pas d'un travail de miniaturiste. Alors, cette œuvre-là est datée de 1874. On peut peut-être la mettre en relation avec une des œuvres en cire que Henri Cros expose au Salon des artistes français de 1874, qui s'appelle La Promenade. Une autre œuvre découverte récemment, qui est en plus haut relief et qui est plus proche du prix du tournoi, où l'on voit trois femmes qui sont en fait titrées comme trois fées, vous voyez les titres de Médée, Florent, au-dessus des figures, un enfant et un superbe bouquet de fleurs tenu par la figure centrale. Alors, cette œuvre-là a été donc titrée Les Trois Fées. On n'a pas du tout de certitude sur son titre original, il n'y a pas d'œuvre documentée du vivant d'Henri Cros qui s'appelle Les Trois Fées, mais une des dernières œuvres exposées en cire polychrome par Cros en 1882 s'appelle l'horoscope. Donc, la présence d'un jeune enfant, la présence de trois fées me fait poser l'hypothèse qu'il pourrait peut-être s'agir de l'œuvre titrée l'horoscope. Et cette œuvre, qui était réapparue sur le marché parisien il y a quelques années, a été finalement achetée par un musée allemand, le musée de la Westcobourg, où il est maintenant conservé. Alors, en dehors de ces sujets évoquant la première Renaissance, une espèce de poésie romantique de sujets littéraires ou très intellectuels, Cros réalise un grand nombre de portraits d'enfants qui sont parmi ses œuvres les plus touchantes, les plus réussies. Et ici, je vous montre deux petites cires, l'une de Madeleine Burti, la fille de Paul Burti, qui nous permet d'évoquer aussi un autre réseau de soutien à l'œuvre d'Henri Cros. Hein. Paul Burti, à Villand, est inspecteur des Beaux-Arts à l'époque où Cros demande des subventions à l'État, il le soutient et donc lui commande le portrait de sa fille. Et puis d'un autre côté, la fille d'Alexandre Dumas fils, Mademoiselle Dumas, qui évoque également un des premiers mécènes d'Henri Cros, Alexandre Dumas fils, commanditera à Cros en 1869 la copie de la fameuse tête en cire du musée de Lille, la tête Icare, qui à l'époque était attribuée à Raphaël, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais donc Cros va réaliser pour Alexandre Dumas une commande importante, puis des portraits de famille. Alors, ces deux œuvres sont rentrées dans des collections publiques récemment. Madeleine Burti à la Fondation Custodia, grâce à l'exposition justement de Chantal Kiner, dont nous parlions tout à l'heure, et Mademoiselle Dumas est rentrée dans les collections du Musée d'Orsay également assez récemment. Donc, pour vous noter également qu'en cire, il ne s'agit pas toujours de sujets
littéraires, historiques, mais parfois de très, très charmants portraits contemporains. Un autre portrait contemporain intéressant, qui est celui que Henri Cros réalise, soit autour de 113, mais plus probablement autour de 1878, du Shah de Perse de l'époque, qui vient visiter l'Europe et en 73 et en 78, l'exposition universelle de Paris en 1878. Et vous voyez également là, dans un portrait de petit format, une présence très forte à la fois du caractère, du regard, des couleurs, mais également du traitement des surfaces du bas-relief, avec une très grande liberté qui donne des lumières très particulières à ces sculptures et extrêmement différentes, évidemment, de l'habitude que l'on peut avoir du marbre, du plâtre ou du bronze. Et enfin, je finis avec les cires polychromes, avec certainement un des plus charmants portraits contemporains réalisés en cire par Henri Cros. C'est un portrait non identifié, d'assez grand format. Il mesure 28 cm de haut, donc ce n'est plus une miniature. Et il est intéressant de voir que les musées allemands se sont intéressés tôt à l'œuvre d'Henri Cros. Bon, c'est lié également à une de ses amitiés littéraires et poétiques. Le poète Jules Laforgue est effectivement en poste à Berlin dans ces années 1880. Il connaît bien Henri Cros et il va le pousser à participer à des expositions de sculptures polychromes à Berlin et certainement jouer un rôle dans le cadre de l'acquisition par le musée de Dresde en 1884 de ce très extraordinaire portrait de jeune femme moderne en cire polychrome. Alors, il y avait la sculpture en cire polychrome, mais les recherches d'Henri Cros concernent à la fois la peinture à l'encaustique, cette fameuse peinture des antiques à l'encaustique, et il va développer avec un ami à lui, un érudit, Charles Henry, bibliothécaire à la Sorbonne, des recherches qui sont à la fois d'ordre, on pourrait dire, d'archéologie expérimentale, de recherche dans les textes, de recherche même sur des trouvailles archéologiques et des expérimentations à partir de ce matériel historique qui vont amener à la publication de cet ouvrage encaustique et autres procédés de peinture chez les anciens et qui va lui valoir également une commande d'étang en 1882, qui est cette grande peinture, elle est plus grande que nature, hein, elle fait plus de 2 mètres de haut, de la Musuranie, donc une peinture à l'encaustique. Là, il ne s'agit plus d'une sculpture, même si évidemment la peinture à l'encaustique garde une épaisseur plus grande que ce qu'était la peinture à l'huile traditionnelle de l'époque. Et cette œuvre est donc lui est commandée par l'État pour prouver, je dirais, ses capacités d'artiste moderne pratiquant une technique antique. Alors, au tournant des années 1880, apparaissent quelques œuvres, quelques très rares œuvres, également polychromes, mais en percuite. Et le musée de Sèvres en conserve un des chefs-d'œuvre, cette gitane des Pyrénées, donc qui nous ramène à la région d'origine de la famille Cros, hein, à Narbonne, je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est né à Narbonne, et un peu à la charnière du moment où il va moins pratiquer la cire polychrome et où il commence à faire des recherches sur des techniques antiques de verrerie, il va également réaliser ses extraordinaires portraits modernes. Alors là, c'est grandeur nature, hein, un portrait d'une modernité pour la sculpture française des années 1880. Il y a là à la fois une expressivité, une subtilité et une intemporalité, on peut dire. Cette jeune femme, vous pourriez la croiser dans la rue aujourd'hui. Et elle a pourtant été réalisée d'après, effectivement, probablement un modèle que Cros a pu rencontrer lors de ses séjours à la Grasse, donc près de Narbonne, où la famille avait gardé des attaches.
Donc, il s'agissait d'un achat de l'État qui a été attribué au musée de Sèvres et qui est un des deux grands chefs-d'œuvre conservés au musée de Sèvres. L'autre sculpture également, ce buste de jeune femme, l'écossaise, a été redécouvert, a réapparu il y a une douzaine d'années sur le marché de l'art parisien. Il avait totalement disparu. Il a été exposé au salon de 1883 et il a finalement été acquis par le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et on retrouve ici aussi une typologie qui n'est pas une typologie antiquisante vraiment, même si elle a un aspect classicisant, mais très étonnant portrait de cette jeune femme qu'il appelle écossaise parce que effectivement, comme vous le voyez, elle a une grande écharpe en tartan qui lui couvre les épaules et la tête. Même la coupe de cheveux est inhabituelle pour l'époque pour une femme. Le regard, la subtilité, ce faux trois quarts de présentation, une espèce de sensation, également une présence extrêmement, sans jouer du tout de l'hyperréalisme, sans du tout jouer d'un trompe-l'œil ou d'un hyperréalisme, on a une présence du sujet, véritablement, du modèle extrêmement puissante et, je le rappelle, extrêmement originale dans la sculpture française de l'époque, enfin, dans la sculpture de l'époque en général. Alors, on en arrive maintenant à ce fameux sujet qui finalement doit être le centre de la présentation d'aujourd'hui, les pâtes de verre moulées, donc à partir de 1883. Donc, après avoir fait ces recherches historiques, archéologiques sur la Syrie, on va également étudier des verreries antiques, regarder de près des pailles, surtout se confronter à un objet très étonnant que je vais vous montrer, qui est aujourd'hui conservé au Louvre. Et en fait, il s'agit d'un assemblage d'antiques qui provient des collections pontificales, le fameux Camé Carpegna. Et donc là, je vous montre l'ensemble du montage réalisé par Luigi Valadier pour le pape, et qui donc cet objet aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Ce qui est important tout de suite aussi de voir dans ce rapport à la verrerie antique de Cross, il est toujours en référence à des objets opaques, c'est-à-dire c'est véritablement le verre comme matière capable d'imiter tous les matériaux, mais ça n'est pas du tout le verre comme matière transparente, matière légère, matière brillante. Toute l'œuvre d'Henri Cross se fait en référence à quelque chose qui serait une sculpture antique polychrome, mais sans brillance, sans l'éclat du verre et sans la transparence. Et je vous ai mis les détails à droite de ces deux médaillons qui ont fasciné Henri Cross et qui sont en fait une des bases archéologique de ses recherches. Donc cet objet était au XIXe siècle présenté déjà au Louvre. Cross peut l'étudier. Il voit ces deux bas-reliefs, alors qui sont réellement des bas-reliefs en verre polychrome, mais il se trouve en réalité que ce ne sont pas du tout des antiques. Ça, aucun spécialiste de la verrerie antique aujourd'hui ne peut reconnaître ces objets, à la fois par leur style un peu gauche et puis par leur unicité, parce qu'en réalité, il n'existe rien d'équivalent et de certifié comme antique existant. Donc, cela nous pose également la question de l'auteur de ces deux médaillons qui ne peut pas les avoir réalisés avant 1785. Donc, nous sommes là à Rome, dans l'entourage des Valadier, des ateliers de Luigi et de la famille Valadier, et à une époque où déjà les faux antiques se multiplient. Donc, quand Valadier réalise cet édicule que vous voyez à gauche avec toute une série d'antiques, dont un verre camé à deux couches, cette plaque en verre qui apparaît noir et blanc, mais qui est en fait un bleu foncé, la tête de méduse que vous voyez dans la partie haute. Tout ça sont des éléments de verrerie antique réels, mélangés avec certains faux réalisés quelque part avant 1785. Mais donc, voilà ce qui était ça, la référence de Cross qui
voyons ces objets, les étudiants et également de nombreux autres textes, va donc mettre au point un moulage de poudre de verre de couleur qui sont mises en place dans un moule en matériaux réfractaires et donc qui vont être fondus ensemble à température relativement haute pour s'amalgamer dans le moule. Et le type de matériaux réfractaires, le mélange de matériaux réfractaires mis au point par Cross est tel qu'il va permettre le moulage, mais il va devenir friable au moment de la cuisson. Et donc, il va être mécaniquement enlevé et laisser apparaître la sculpture dans sa polychromie. Je dirais qu'il n'est pas une peinture après coup, c'est véritablement le moulage permet à la fois le relief et la polychromie, sans retouche, sans polissage, sans volonté de brillance et d'éclat. Et donc là, vous voyez, malgré les mauvaises photographies, j'en suis désolé, mais c'était les seules que j'avais à disposition, la plus ancienne pâte de verre connue d'Henri Cross, qui lui fut achetée par l'État à l'époque et qui est aujourd'hui conservée au musée de Limoges. Alors, ce n'est pas encore une parfaite réussite sur le plan technique, mais on voit la manière dont il peut, sur ce thème de la source, je l'ai, le soleil, vous voyez Phébus et ses rayons en haut, et cette jeune femme qui est une allégorie de la source, je l'ai, qui va fondre sous les rayons du soleil. Et c'est important également, à la fois parce que c'est la plus ancienne pâte de verre de Cross que nous connaissions, et par ailleurs parce qu'on voit le thème de la transformation des matériaux, terme du passage du fluide au solide, être un leitmotiv extrêmement important dans les œuvres plus tardives et particulièrement dans les œuvres en verre de Cross. La deuxième pâte de verre acquise par l'État et également conservée aujourd'hui à Limoges, présentée au Salon de 1888, s'appelle et titrée « La verrerie antique » par Henri Cross lui-même. Et vous voyez qu'il y mêle il s'agit du bas-relief qui est à gauche, la pièce de Limoges. À droite, c'est une autre version donc, qui se trouve dans le musée américain de Corrier. Mais vous voyez qu'il associe ce symbole absolu des chefs-d'œuvre de la verrerie antique, le vase de Portland, que vous connaissez tous, qui est un vase en verre camé à deux couches, qui a joué un rôle extrême, qui a été un des... qui reste toujours un des chefs-d'œuvre de la verrerie d'époque romaine et qui a en plus joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la céramique, que ce soit à Wedgwood ou ailleurs. Et donc, il met entre les mains d'une jeune femme également intemporelle, dont le buste est traité avec beaucoup de délicatesse. Il met ce vase entre ses mains et il traite le fond de ce bas-relief de manière totalement abstraite, alors avec un mélange de couleurs qui paraît, qui n'est ni un ciel, ni un fond d'espace conventionnel. Il associe là un bas-relief traité avec beaucoup de précision et de délicatesse, mais diffusé sur un fond totalement abstrait, ce qui est aussi une originalité extrêmement forte d'une proposition de sculpteur dans les années 1880. Donc à droite, on voit une autre version d'un peu plus petit format qui a été découverte il y a quelques années, qui est probablement un peu plus tardive, bien que le costume de la jeune fille, qui tient également le vase de Portland dans ses mains, rappelle plus les costumes Renaissance des anciennes sculptures en cire d'Henri Cross. Ici, donc, on commence à arriver à des formats plus importants. Là, on est sur une pâte de verre donc exposée en 1889, également acquise par l'État, également conservée à Limoges, sur le thème du fil d'Ariane. Comme vous le voyez, elle est réalisée en trois parties superposées et les figures sont plus grandes que de miniature et elles permettent, sur ce thème de Ariane, Thésée et Phèdre, à Cross de présenter un nu masculin,
un profil de femme, une face, un trois quarts d'homme, ben, je veux dire, tout son savoir-faire de modelage très classicisant et évidemment associé à des modèles de bas-relief antiques. Bon, le bas-relief, d'une façon générale, est souvent traité de cette manière-là, et cela restera sa typologie de sculpture favorite, à la fois probablement parce que dans le cadre des polémiques autour de la sculpture polychrome, la ronde bosse a été beaucoup critiquée, associée à ce qui était l'équivalent des musées Grévin d'aujourd'hui, je dirais à une sculpture de second choix, à du kitsch, en France également à un univers souvent germanique. Et en fait, Cross va, particulièrement avec cette nouvelle technique de la pâte de verre, ramener des possibilités de polychromie de la sculpture, non pas dans des couleurs vives, non pas dans des références germaniques, non pas dans un risque de trop grande proximité avec la copie du réel, mais avec une distance poétique très grande, et puis ramener tout cet univers polychrome dans un monde qui est plutôt méditerranéen et antiquisant, mais qu'il modernise complètement par une œuvre totalement originale. Alors, à la même époque, on est en 1889, là également, la pièce est datée, et là, c'est la première fois que je vous montre un revers, je n'avais pas beaucoup de revers de pièces à vous montrer, mais vous voyez ici le revers, ce portrait d'homme non identifié à gauche, qui est réapparu également il y a 5 ou 6 ans, et qui a pu être acquis par le musée du verre de Conches, qui est la ville natale de Corchemont, et qui a une belle collection pâte de verre, donc il n'avait pas d'Henri Cross. Et ça, ça nous montre un exemple quand même d'un portrait tout à fait contemporain. Donc Cross, avec les pâtes de verre, ne se limite pas non plus seulement à des symboles ou des allégories ou à des évocations antiquisantes, pas seulement, il réalise parfois des portraits modernes. Alors, celui-ci n'est pas identifié. Mais vous voyez donc que la polychromie est très précise, très délicate sur la surface, mais le revers, vous voyez qu'en fait, c'est en fait uniquement du verre blanc avec lequel il a joué avec des poudres de verre bleu pour titrer, alors d'une façon qui reste énigmatique pour moi, à Bounil. Bon, ibis qu'on retrouve souvent dans les signatures en ibis d'Égypte, je dirais, qu'on retrouve dans les signatures de Cross, et puis sa signature en bas, Henri Cross 89, donc qui est apposée avant que la pièce soit cuite, qui vient donc s'intégrer à la masse de verre qui, quand on a vu des pièces cassées, est en général une masse de verre blanc opaque, et c'est juste là une espèce de peau, enfin un peu plus qu'une peau, une surface qui est colorée, qui est celle du relief, mais la lumière, ce n'est pas totalement opaque, ce n'est pas la même chose qu'une matière totalement opaque. La lumière rentre quand même, pénètre un peu, mais ne transperce pas la sculpture. La sculpture garde son opacité et par ailleurs un aspect mat du verre qui est celui que Cross gardera absolument tout au long de sa carrière. Alors voici le second chef-d'œuvre, le deuxième, y en a-t-il un troisième? Non, il y a beaucoup d'autres œuvres de Cross au musée de Sèvres, mais disons la Gitane des Pyrénées et la Circé sont quand même les deux chefs-d'œuvre. Alors malheureusement, je n'avais pas une bonne image de la totalité, alors je l'ai coupée, pardon, vous n'avez pas l'image totale, mais probablement la plupart d'entre vous connaissent cette œuvre exposée dans les salles permanentes du musée de Sèvres. Donc elle est exposée en 1891 et c'est Circé, la magicienne Circé. Et encore une fois, je remarque que nous avons affaire à des questions de transformation, et évidemment que la magicienne Circé avait transformé les compagnons d'Ulysse, que vous voyez au genou, en fait, en bas à droite, au genou de Circé, les avait transformés en porc. Et donc là, c'est une autre idée comme ça des transformations, c'est plus celle des matériaux, celle de la cuisson, celle de la fusion, celle de la transformation du sable en verre. C'est celle de la transformation par la magie et par une magicienne d'homme en or. Donc ça, on a une
un très, très bel exemple avec cette Circé de la, je dirais, de l'archétype du nu féminin d'Henri Cross, qui évidemment a de nombreuses références classiques et antiques, mais qui pourtant est loin d'être une copie servile d'un antique et qui donne, qui est typique également, même si le sujet est plutôt dramatique dans le cas présent, il est derrière les aventures d'Ulysse avec Circé, une espèce de sérénité des figures qu'il représente, qu'il sculpte et qu'il rend au final dans une œuvre polychrome en vert. Alors, 91, c'est la date de cette œuvre et c'est la date à partir de laquelle Cross va s'installer à Sèvres. Grâce à une aide de l'État. Donc, il ne devient pas un salarié de la manufacture de Sèvres, hein, du tout, mais c'est directement la sous-direction des Beaux-Arts qui met un certain temps, hein, puisque la première demande date de 1888, mais c'est en fait en 1891. Théodore Deck, en 88, n'y est pas du tout favorable. C'est en fait beaucoup plus l'arrivée d'Henri Rougeon à la direction des Beaux-Arts, Henri Rougeon qui est un ami des Cross depuis très longtemps, et l'arrivée d'Emile Baumgart, également Baumgart, que la sous-direction des Beaux-Arts va quand même, on peut dire, un peu imposer à la manufacture de Sèvres la présence d'un artiste, la nécessité de l'aider dans certains cas, mais en lui laissant une totale liberté. Cross reste un artiste totalement indépendant. Il a des subventions de l'État, mais il ne fait pas partie des salariés de la manufacture de Sèvres, même si probablement, là on manque encore et malheureusement probablement pour longtemps, de documents, mais il est probable, il est installé dans un espace appartenant à la manufacture de Sèvres qui s'appelle le Vieux Moulin, qui ne correspond plus à des espaces actuellement occupés par la manufacture, dont malheureusement nous n'avons aucune photographie, aucune image ancienne de cet atelier d'Henri Cross, mais c'est là qu'il va travailler de 1891 jusqu'à sa mort en 1907. Alors là, Circé, c'est une question que je n'ai pas résolue. Circé est-elle la dernière œuvre réalisée par Cross dans ses ateliers parisiens avant qu'il ne s'installe à Sèvres, ou est-ce la première œuvre réalisée à Sèvres? Je n'ai pas réussi, d'après les documents que j'ai pu consulter, à avoir une idée absolument tranchée. En tous les cas, elle n'est pas réalisée en trois parties, comme le fil d'Ariane que je vous ai montré auparavant, elle est réalisée en une seule partie, donc elle correspond quand même à des formats que probablement Cross ne pouvait pas cuire dans ses ateliers personnels, et il a probablement bénéficié pour la réalisation de cette Circé, de la collaboration, de la proximité et de la complicité du personnel de Sèvres, peut-être de Four de Sèvres. Alors là, je vous montre, c'est un cas extrêmement rare où je peux vous montrer trois versions différentes d'une même œuvre, d'une même proposition, hein, une œuvre exposée par Cross en 1892 qui s'appelle « Incantation », dont à gauche, vous voyez l'exemplaire acheté par l'État à l'époque, donc qui n'est pas, qui a subi des dommages et qui n'était pas le plus réussi des trois, mais qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, au centre dans une collection privée et à droite au musée de Cleveland aux États-Unis. Et c'est surtout pour vous montrer que même à partir d'un même modèle, qui sera conservé en plâtre évidemment, à partir duquel il réalise ses moules pour y intégrer les poudres de verre, il ne va pas répéter exactement, il va traiter les polychromies différemment et jouer sur des polychromies, comme vous le voyez ici, très, très différentes. Et puis, évidemment, comme dans tous les arts du feu, les aléas de la cuisson font que certaines pièces sont plus ou moins bienvenues au moment de leur fusion, de leur moulage. Et c'est ainsi que certaines peuvent avoir des fêles, des gerçures de moules, des couleurs qui ont bullé, hein, des fois un peu de trop cuit. Hein. Bon, vous voyez que là, apparemment, enfin, je dirais que pour moi, celle qui semble, effectivement celle dont j'ai la meilleure photo, mais celle qui semble la plus
proche pour moi d'une œuvre réussie de Krauss, c'est la pièce centrale qui est dans une collection privée, avec cette douceur de ton également et cette subtilité des reliefs, des traits bas-reliefs. Alors ici, un autre achat de l'État dans les années 1890, le masque dit masque Corinthe, qui est alors probablement la pièce la plus antiquisante, la plus proche d'un modèle antique, et entre autres d'un petit médaillon en bronze qui se trouve monté dans le fameux camée carpegna que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, en fait, c'est un archétype de masque tragique antique. Une des pièces alors, qui est peu polychrome, et par ailleurs, la granulométrie des poudres de verre est encore apparente. On a presque l'impression que la pièce aurait effectivement vécu un temps de partielle dégradation, mais tout ça dans une évocation, je dirais, dramatique, évidemment masque tragique, extrêmement intéressante. Alors, Krauss réalise très peu d'objets d'art, à proprement parler. Toute sa carrière se fait au sein de la section sculpture des salons, mais il va entrer à certains moments, il va quand même avoir cette volonté, avec cette technique qu'il a mis au point et dont, semble-t-il, d'après certains de ses écrits, il a l'air, et ce serait une erreur s'il le croyait vraiment, qu'elle était la technique de réalisation du vase de Portland. Donc, il va quand même s'intéresser beaucoup à ces chefs-d'œuvre antiques. Il va, entre autres, le seul vase aujourd'hui localisé, il en a réalisé plusieurs, mais c'est le seul aujourd'hui localisé, ce qui est un vase avec une évocation de pastorale antiquisante, sans thème iconographique, mythologique précis, mais qui est vraiment, on peut dire, une pastorale, une évocation poétique de l'antiquité rêvée, de l'antiquité des dieux antiques, dans cette version un petit peu de la perception de la mythologie antique comme une métaphore des beautés de la nature, à la manière dont donc une évocation. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que contrairement au vase de Portland qui est uniquement en deux couleurs, au maximum les verres antiques trois couleurs. Ici, on a une polychromie où même les chairs des hommes et les chairs des femmes et les chairs des enfants ne sont pas les mêmes. Et on a sur ce fond bleu quand même, qui évoque effectivement le fond bleu du vase de Portland, mais dans des teintes beaucoup plus douces et beaucoup plus inégales, un univers de rêverie antique, on peut dire. Et il s'agit donc d'un vase qui a été réalisé. En fait, pour réaliser ce vase, Krauss est obligé de faire deux bas-reliefs très concaves et il les assemble à froid. Peut-être il les recuit ensemble, ça on a essayé d'étudier de près ce vase, mais on n'a pas pu confirmer absolument si la pièce est un assemblage à froid de deux demi-coques en quelque sorte, ou s'il l'a effectivement recuit à chaud. Mais une des grandes raretés qui est rentrée dans les collections publiques grâce à la personnalité de Johanny Pettel, qui était par ailleurs, je vous rappelle, l'exécuteur testamentaire de Rodin. On finira en parlant de Rodin cette présentation. Et voilà, pour évoquer certains des très beaux dessins de Krauss, deux grands dessins qui sont des dernières touches comme ça avec le développé du vase. On y retrouve certaines des figures, on y retrouve certaines des variantes. C'est pas un relevé du vase terminé, c'est une des aquarelles les plus abouties parmi toutes les aquarelles et les dessins représentant des vases de ce profil antiquisant qu'a réalisé Krauss. Alors, à partir du moment où il est à Sèvres, Krauss va s'atteler à des réalisations monumentales avec le soutien de l'État, puisqu'il s'agit de commandes d'État et les deux grandes commandes d'État, l'histoire de l'eau, présentée au Salon de 1894, 2,30 mètres de haut. Donc, première fois qu'une sculpture en verre, bas-relief, même si la partie basse est un très haut relief, atteint à des dimensions de cet ordre. Elle est réalisée en 13 fragments qui sont assemblés ensemble. Vous voyez
Si vous suivez ici sur le détail, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un seul élément, mais de différents éléments. Le masque de fleuve qui est ici est un élément vert associé avec les 13 autres éléments. Et donc là, c'est une composition descendante en quelque sorte, histoire de l'eau, c'est l'histoire de l'eau encore une fois depuis la source, le torrent, le ruisseau, tout évoqué sous des formes allégoriques de jeunes femmes, de petits garçons, de garçons assis, puis dans une forme plus traditionnelle, le masque de fleuve qui vient se jeter dans la mer. Donc une composition verticale, descendante, dans un espace qui est un espace cloisonné par les impératifs techniques, ce n'est pas un espace perspectif, ce n'est pas donc un bas-relief perspectif, on est dans une composition de l'espace qui est totalement hors de la perspective. Et je vous donne ce détail de la tête de fleuve en sachant aussi que peut-être, même si en 1994 son frère est mort depuis plusieurs années, on peut imaginer que ce thème iconographique qu'il a choisi, ce n'est pas l'État qui lui a commandé, l'État lui a commandé une œuvre monumentale, mais c'est lui qui a totalement choisi et le thème iconographique et la forme de cette pièce, mais qu'on peut mettre en relation avec un grand poème de son frère, Charles Cros, Le Fleuve, qui a par ailleurs été illustré par Édouard Manet également, et en quelque sorte, on le voit ici dans la composition plastique, et on le voit encore plus dans le poème, il s'agit d'une évocation des cycles de la vie depuis la source jusqu'à la mer, et de la mer, on remonte avec l'évaporation et les nuages, et un espèce de cycle de vie permanent que l'eau évoque ici. Et le deuxième, et là je vous ai mis un petit médaillon pour que clairement l'échelle vous soit évidente pour ce grand bas-relief que Cros réalise pour l'exposition universelle de 1900. Vous voyez là une étape du remontage au musée des arts décoratifs de cette pièce il y a quelques années. Vous voyez qu'il fait, le bas-relief au total fait plus de 2 mètres de haut. Alors là, après l'histoire du feu, il arrive à obtenir la commande d'une deuxième grande pièce qui sera effectivement présentée à l'exposition universelle de 1900 et dont avec des présentations de la manufacture de Sèvres, même si il ne s'agit pas d'une réalisation à proprement parler de la manufacture, puisque enfin, la manufacture n'a jamais pratiqué la technique de pâte de fer en tant que telle, elle a accueilli l'atelier originel, on peut dire, de sculpture en pâte de verre d'Henri Cros, mais sans se mettre à fabriquer des pâtes de verre. Donc là, c'est l'histoire du feu, donc c'est le mythe prométhéen, la figure centrale qui lève la main, c'est une allégorie de la flamme, donc une allégorie, un symbole moderne que Cros invente, et autour de cette figure centrale, dans une diffusion qui rappelle un peu un triptyque avec les près d'elle en dessous, les éléments d'ouverture d'un triptyque, Prométhée à la droite de la flamme, Pallas Athénée à gauche, donc un mélange à la fois de symboles traditionnels et d'allégories traditionnelles et de symboles personnels à Cros, comme cette idée de représenter la flamme ou le feu sous la forme d'une jeune fille. Dans la partie droite centrale, la femme assise tient une épée dans sa main et toutes les évocations de droite sont sur les aspects négatifs du feu, la guerre, les incendies, la sécheresse, les risques des volcans. Bref. Et à gauche, je vais vous en montrer un détail, les aspects bénéfiques du feu, comme les arts du feu, cette coupe amenée par un petit enfant à cette femme assise également, et puis en arrière-plan, le feu de la cuisson des aliments, et puis enfin le feu sacré, le feu des religions. Et en fait, ce sont les dieux de l'Olympe qui président à toute cette présentation, toutes les figures que vous voyez en haut, de Vulcain, le soleil, Apollon, Junon, sont des figures qui président à toute cette présentation. Et en bas, là près d'elle, c'est en fait le fleuve de feu des enfers. Voilà, une iconographie assez complexe pour une œuvre majeure d'Henri Cros présentée à l'exposition de 1900. Alors voilà le détail de cet élément de gauche où vous voyez
ici, en fait, si vous voyez ma petite flèche ici, c'est en fait un four, formellement un four de potier. Donc, cette coupe représentative des arts du feu offerte à cette figure féminine très élégamment assise et drapée. Et puis ici, donc, le feu de la cuisson des aliments. Et au fond, vous le voyez à peine, c'est à peine comme une aquarelle. C'est-à-dire que le relief également, là, il y a un jeu de distance et de précision des sujets avec les plus hauts reliefs au premier plan, traités plus sculpturalement. Et au fond, donc, le feu sacré, le feu des autels religieux, est traité presque en aplat. C'est presque comme une aquarelle faite avec les poudre de verre. Et à droite, Vulcain, pour vous donner un détail d'un des dieux représentés dans ce bas-relief. Ici, un autre portrait moderne, conservé dans un cadre néo-renaissance, conservé au Musée des Arts Décoratifs. Et là également, ce n'est pas mon œuvre préférée, c'est un portrait moderne, ce n'est pas la plus charmante des figures féminines réalisées par Cros, mais elle est de belle qualité dans sa polychromie. Et surtout, j'en avais une bonne photo du revers pour vous montrer encore une fois à quoi ressemblent ces revers, et également pour vous montrer, vous voyez dans la partie haute, que d'une manière un peu paradoxale, puisque ça sert à la fois à maintenir la structure de verre, mais en même temps, les interfaces entre métal sont des espèces de bandeaux de cuivre qui sont présents dans la masse de verre. Donc, probablement, Cros les insère pour solidifier, pour structurer un peu la masse de verre quand elle est plus importante. Et en réalité, en même temps, elle provoque beaucoup de chocs thermiques, d'interfaces entre le métal et le verre qui vont souvent amener à des accidents. Alors ici, une des rares rondes bosses de Cros de petit format, enfin petit. Elle fait 25 cm de haut, quand même, conservée au musée du Petit Palais, un autre très joli portrait d'enfant, qui est probablement le portrait d'une de ses filles, Marcel Cros, l'aînée, qui sera également artiste. Henri Cros a 3 enfants, Marcel, Jean et Marie Cros, qui vivront à Sèvres également. Marcel aura aussi une carrière de brodeuse, de brodeuse artiste, de réalisation artistique en broderie, comme il y en a une certaine vogue au début du XXe siècle. Et il semblerait qu'il s'agisse d'un portrait bon, assez idéalisé, mais disons la chevelure, comme dans les deux filles qu'il a, il y en a une qui dans les portraits est blonde et l'autre brune, il est probable qu'il s'agisse de Marcel Cros. Et là encore, la ronde bosse est réalisée avec 2 éléments assemblés pour faire la chevelure arrière. Donc, on peut vraiment tourner autour de cette pièce, même si elle est de moyen format. Là, je vais vous passer rapidement un certain nombre de belles pièces réalisées dans la dernière décennie du siècle, dans les premières années, dernière décennie du 19e siècle, bien sûr, ou les premières années du 20e siècle, conservées dans différentes collections privées ou publiques. Bon, je ne vais pas m'apesantir maintenant, et puis le temps passe. Donc, je vous laisse juste apprécier la beauté des couleurs et des thèmes et des sculptures. Si la Vénus aux hippocampes, c'est un thème qui renvoie à un poème de son frère Charles avec cette dimension presque humoristique de la Vénus dans une espèce de grand coquillage tiré par 2 hippocampes et avec également cette idée qui est née chez Cros de réaliser des bas-reliefs, qui est née chez Cros, je pense, en réalisant ces grands bas-reliefs qu'il doit diviser en différentes parties, de ne pas forcément réaliser des bas-reliefs qui soient rectangulaires ou orthogonaux, mais avec des formes libres qui l'amènent également à certains encadrements, comme ces encadrements de bois. Donc, non seulement il y a cette liberté donnée par la couleur, bon, il y a la contrainte du bas-relief, une maîtrise, je dirais, par le bas-relief et l'aspect de la volonté classicisante
d'expression sereine de ces sculptures, mais en même temps cette grande liberté qui va également aussi être une liberté dans la forme de ces bas-reliefs. Bon, là, c'est le contraire, on retrouve un bas-relief de forme, on va dire, plus traditionnelle qui est conservé au musée de Düsseldorf avec la très charmante proposition du papillon polychrome qui vient se poser sur la main de cette nymphe ou figure de femme. Ça sont des visions, je dirais, archétypales, comme ça, d'une beauté féminine à la fois sensuelle et chaste, classique, qui est le propre de l'œuvre d'Henri Cros. Là, un sujet plus dramatique, puisque Pasiphaé qui est en train de poser des fleurs sur la tête, alors ou du Minotaure ou du père du Minotaure, on sait. Ce qui est intéressant, c'était aussi de voir qu'il s'agit d'un achat en 1924 par le Metropolitan Museum à New York. Donc, on a en 1922 a lieu une grande rétrospective au Salon d'automne, la principale rétrospective de l'œuvre d'Henri Cros, qui a probablement réactivé un peu dans les années 20 l'intérêt pour ce sculpteur et qui a amené le Metropolitan Museum à acquérir cette œuvre en 1924. Alors ici, une œuvre de 1900. Alors à droite, une image tirée de la publication d'Evil Baumgart sur la manufacture de Sèvres à l'exposition de 1900. Vous voyez différents masques et bas-reliefs. Celui que je vous ai montré encadré tout à l'heure qui se trouve au centre, au milieu, un portrait de jeune fille qui n'est pas sans rappeler la figure de femme en cire du musée de Dresde, un Mercure, un Apollon, et puis ce masque qui semble évoquer la flamme, comme vous aviez vu dans le bas-relief Histoire de l'eau, le masque de fleuve. On voit ici un masque qui n'est pas présent dans le bas-relief de l'Histoire du feu, mais qui semble bien évoquer une flamme, et dont un autre exemplaire est conservé au musée de Boulogne-sur-Mer. Ici, une œuvre récemment entrée dans les collections du musée d'Orsay, à la suite de l'exposition de la galerie Chantal Kimer, une sirène qui a appartenu à la collection du grand critique d'art Roger Marx, et que vous voyez la planche de sa vente en 1914, une planche du catalogue de sa vente en 1914. Vous voyez en bas à droite cette sirène jouant de la flûte de l'Holos, cette flûte à deux branches. Et à gauche, le numéro 34, c'est l'œuvre que je vous montre maintenant. Galatée et le cyclope Polyphène, deux versions. Alors à droite, la patte de verre qui provient de la collection Roger Marx, qui fut achetée par le musée des arts décoratifs à la vente Roger Marx en 1914 et qui est en patte de verre, et à gauche un exemplaire en terre cuite coloré aux engobes également, qui est conservé au musée du Petit Palais. Donc on voit que cette technique des terres cuites colorée aux engobes, elle peut, on connaît beaucoup d'esquisses faites par Henri Cros avec cette technique, mais elle peut, comme les deux bustes que je vous ai montrés tout à l'heure, la Gitane des Pyrénées et l'Écossaise, ou ici, comme ce plat Galatée, être destinée à des œuvres totalement abouties. Mais on voit également aussi la différence de traitement de polychromie, la différence de matière sur le même modèle exactement, hein, c'est la même sculpture, le même plâtre original qui a été utilisé, mais donc une version est réalisée en pâte de verre, l'autre en fer enrobé. Et l'œuvre ultime de Cros, en fait, c'est, contrairement à toute son œuvre, une œuvre extrêmement dramatique qu'il présente au Salon de 1906, une tête de méduse, alors une ronde bosse, encore une fois, plus grande que nature, donc un de ses grands chefs-d'œuvre, et qui est aujourd'hui conservée au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Il semblerait qu'elle ait appartenu, d'après les rumeurs du marché de l'art, quand elle est réapparue, qu'elle a appartenu à un collectionneur algérien, donc au 19e siècle, au début du 20e siècle, pardon, et qu'elle serait revenue en France dans les années 80. En dehors de l'extraordinaire expressivité de cette sculpture, j'en reviens encore à ce thème, à ce leitmotiv. Vous voyez la tête tranchée de méduse
laisse apparaître une branche de corail. Et vous savez que dans la mythologie, c'est effectivement du son de Méduse qu'est né le corail. Donc, on retrouve encore dans cette œuvre extraordinaire, des dernières œuvres réalisées par Cross, cet intérêt, cette fascination pour les transformations des matériaux, les transmutations, on pourrait dire, des matériaux, tout ce qui passe du liquide au solide, qui se transforme, qui est un... probablement à la base de toutes ces recherches techniques. Un autre détail de cette même sculpture, on remarquait que les yeux ne sont jamais traités de façon réaliste non plus, et de toute façon, la polychromie n'est jamais réaliste dans les pattes de fer de Cross. Alors, la dernière œuvre sur laquelle il travaillait à sa mort était une grande cheminée en pattes de fer. Semble-t-il une commande du prince de Wagram dont nous ne connaissons pour l'instant que ce projet dessiné, conservé au Musée des Arts Décoratifs, et qui vous montre également donc un projet de sculpture, décor intérieur, qui, semble-t-il, aurait été terminé par son fils après la mort d'Henri Cross. Jean Cross l'aurait terminé, mais pour l'instant, nous n'avons jamais pu localiser cette commande, et je ne suis pas si sûr que ça qu'elle ait été réellement finalisée. Dans tous les cas, l'espérance de la belle saison, un thème très proche des nabis, symbolisme et nabis, qui évoque bien le lieu où se situe l'œuvre sculptée d'Henri Cross. Et pour finir, je voulais évoquer quand même les quelques pièces éditées alors en grès par la Manufacture de Sèvres. Ici, le catalogue des grès, des sculptures éditées par Sèvres, le catalogue publié en 1904. On y trouve donc printemps, été, automne, hiver, des thermes. Donc là, on connaît un exemple réalisé qui se trouve aujourd'hui au musée de Nantes. La Vénus Anadiomède reste un mystère. Le vase Les Métaux, le vase Les Mois, vous allez les voir. La méditation devant l'inconnu est également un peu une énigme sur laquelle j'ai une hypothèse, mais qui n'est pas sûre. Donc, le vase, les métaux et les minéraux, parfois titré le vase, les métaux et les minéraux, le modèle est daté de 1897. Un exemplaire est présenté à l'exposition de 1900. Et d'après les archives, le dépouillement des archives de Sèvres, que Tamara Préau, en son temps, a vu fait. Pour moi, il y a eu trois exemplaires. Donc, celui à gauche qui se trouve dans un jardin, que vous voyez ici photographié dans un jardin et dans une collection privée. À droite, l'exemplaire du Petit Palais. Le troisième exemplaire se trouve au musée de la Piscine à Roubaix. Donc, trois pièces monumentales en grès réalisées là. Alors, d'après un modèle de Cross, mais bel et bien par la Manufacture et édité par la Manufacture. C'est le cas également de ce vase Les Mois, où 12 masques se présentent autour d'une coupe circulaire. Et là, c'est l'exemplaire que j'ai pu voir, porte vraiment le cachet Manufacture de Sèvres. C'est clairement ici, non pas une réalisation du sculpteur verrier Henri Cross, mais un modèle du sculpteur Henri Cross, édité par la Manufacture de Sèvres. Donc, je n'avais que cette photo ancienne, donc, provenant des archives de la Manufacture. Et puis ici, un détail, parce que mes autres photos n'étaient pas assez bonnes, un détail d'un des masques de l'exemplaire qui est aujourd'hui déposé par le Mobilier National au musée d'Orsay. Et enfin, le troisième vase, dont le titre est « La méditation devant l'inconnu », comme vous l'avez vu sur le catalogue, probablement, il s'agit d'un vase alors dont j'ai eu une fois un exemplaire dans une collection privée, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'étudier de façon assez approfondie, mais les archives de la Manufacture de Sèvres avaient, il y a quelques années, lors d'une vente importante d'un fonds de dessin d'Henri Cross provenant de la Galerie Hébrard et de la famille Cross au travers de la Galerie Hébrard, pu acquérir ce vase qu'on peut identifier avec... une grande probabilité, comme ce vase intitulé « L'amitiation devant l'inconnu », ce qui est également un titre très typique, je dirais, de la poésie propre d'Henri Cross. Et pour finir, je voudrais juste vous lire un très bref texte écrit par Rodin lui-même lors de la vente après décès qui est réalisée, ou
beaucoup d'œuvres de Cros sont vendues en 1909, et Rodin, qui n'a pas été un proche de Cros, mais qui a toujours soutenu et qui a aidé ses enfants qui étaient un peu dans la gêne après la mort d'Henri Cros, et qui a fait réaliser en pâte de verre des œuvres par Jean Cros, pas par Henri Cros, hein, avait une grande admiration pour Henri Cros. Donc il écrit ce tout petit texte, Henri Cros. Comme les artistes de la Méditerranée, comme tous les artistes de la Méditerranée, fut un grec. Je n'entends pas qu'il fût de cette école néo-grecque qui fut une mode malheureuse de l'art au XIXe siècle. Sa sculpture a cette sérénité qu'il apparente à l'art grec. C'est, je pense, le plus bel éloge qu'on puisse faire d'un artiste. Cros fut un des hommes les plus glorieux de la statuaire du XIXe siècle. Il a passé inconnu, Auguste Rodin. Donc ça, à la fois terrible comme constat, c'est à la fois formidable comme hommage de la part de Rodin, à la fois terrible comme constat, mais j'espère en tous les cas que cette présentation ce soir aura contribué à ce que la personnalité de Cros soit un peu moins méconnue. Et je vous remercie pour vos attentions. Merci, c'était vraiment passionnant. Merci infiniment. Eh ben, merci à tous. On est maintenant bien renseigné sur le pâte de verre et sur Cros, qui est quand même un artiste à vraiment bien connaître. Et grâce à vous, on a déjà une ouverture, alors c'est sympathique. Alors, je voudrais dire aussi, merci à Jean-Luc, et dire que la semaine prochaine, nous changerons de sujet, nous retrouverons le cycle de la table, des arts de la table, et nous parlerons de cuisine provençale avec Frédéric Daguet. Voilà. Donc, merci Jean-Luc, et puis à très bientôt à chacun. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Bonsoir.